Fait qu'on est en attente de ma mère. Avez-vous hâte de voir Diane? Salut! Salut! Ici Cassandra et sa mère. Moi-même. Cette pauvre femme dont j'ai brisé le vagin. Oh, on rentre pas là-dedans. Je le montre pas dans le vagin. Fait que bonjour la gang, aujourd'hui je suis avec ma mère. Puis on a une vidéo vraiment spéciale parce que en fait je suis allée magasiner en friperie pour ma mère. Ça a été tout qu'un défi. Ouais. Ben vraiment ça a été tout qu'un défi. T'en parles pas du mien. Ouais, parce que ma mère aussi est allée magasiner pour moi. Aujourd'hui j'avais envie de me mettre au défi, d'essayer de challenger un peu parce que ma mère elle est pas très friperie dans la vie. Elle va au village des valeurs puis une demi-heure après elle a envie de mourir. Ouais. Ma mère, on va commencer en disant toutes les restrictions qu'elle avait. J'en avais beaucoup. Fait que voici la raison de pourquoi ça a été autant difficile de magasiner pour ma mère. Voici ses conditions. C'est bien elle qui le dit. Je suis un peu gênée. Rien de transparent. Mm. Rien de trop décolleté. Mm-hmm. Pas de jupe en haut du genou. Mm-hmm. Pas de robe serrée. Mm-hmm. Pas de culotte taille haute. Non. Longueur des manches au coude minimum. Mm. Fait que j'avais juste ça de restriction. J'étais comme, ah man, c'est cool. Mm. Mais tout ça pour dire que moi et ma mère, on a vraiment pas le même style. Puis j'ai déjà magasiné pour ma meilleure amie et j'ai magasiné pour mon copain. Et j'ai trouvé ça vraiment plus facile. Toi, t'as été mon plus gros défi. Je voulais tellement que tu sois confortable et que tu sois à l'aise dans les vêtements que je te choisissais que j'essayais pas de sortir trop de ta zone de confort. Et à un moment donné, je me suis dit, ben tu sais quoi? Fuck that shit, man. C'est la seule vidéo que je vais pouvoir essayer de mettre un petit peu ma mère hors de sa zone de confort. Fait que j'ai quelques petits trucs qui peut-être sortent des règlements que j'ai eu. No! Vous allez voir ça ou peut-être pas voir ça. Fait que là, fais-moi une promesse que tu me dis de tes honnêtes impressions. Oh, mes honnêtes, je suis moins d'honnêteté derrière ben pas oui. De problème avec ça. Ok, t'es-tu prête? C'est parti. Ferme tes yeux. Je ferme mes yeux. Premier truc que je t'ai acheté, je suis comme stressée, on dirait que le stress vient de kick-in, genre. Ok, ben ça, je trouve que ça crie toi, ok? Ça crie c'est, moi? C'est une chemise, regarde! Ça crie moi. Oui, ça crie toi. Je sais pas encore. Il me semble que ça fait madame. Moi, ça, là, je trouve que c'est une belle chemise passe-partout. Elle m'a coûté 8,99. C'est une sport, là. T'as la tarte, j'ai marqué large. Non, mais ça faut pas se fier aux grandeurs. OK. Faut pas se fier aux grandeurs. Ça fie pas à moi. Non, faut pas se fier aux grandeurs au village des valeurs, sérieusement. Il y a des affaires qui sont small, mais qui sont full faites grand. Et des affaires qui sont larges, sont full faites petit. Fait que, premier truc, tu dirais combien sur 10? Ça a un potentiel, peut-être, de 6. Ah, c'est tout? Je suis pas encore sûre. On va voir, mais qu'on l'essaye avec quelque chose. OK. Mais t'es pas horrifié, genre. Non, pas tant. OK, cool. Yay, ça commence bien. Deuxième truc, je t'avouerais que moi, c'est un coup de cœur. Mais, va peut-être déstabiliser peut-être un petit peu. T'sais, faut que tu fasses confiance au processus. Puis à un moment donné, les affaires transparentes, ça peut pas être que dans une catégorie cancel. T'sais, il y a du potentiel avec les choses transparentes, OK? Mm. Fait que, tada! Une veste noire, mais avec les manches transparentes. Ah non, ça j'aime. Oui? Ouais, donnerais un 8, je crois. Ah ouais? Oh, ouais, je crois qu'il m'intéresse. Mais je te trouverais vraiment belle, on dirait, avec ça. T'sais, il est simple, mais en même temps, t'sais, avec le fait que les manches soient transparentes. Ouais, j'aime ça. Je trouve que ça rajoute un petit effet sexy, mais pas too much, tu comprends? Non. C'est là que je te dis, je voulais être un petit peu sexy, mais. Ouais, mais sexy si qu'on voit. Tu vois le sexy de ça, là? Si je l'avais eu dans le devant, là, vous m'auriez peut-être perdu un peu. Ah, j'avais pas remarqué que le dos était aussi ouvert. Oui, oh my god! Tu vas être une belle, belle chance. Non, je vais mettre une camisole sur moi. Ah ouais. Camisole noire. Ça peut oui, être. Oui, exact. Ben oui. Oui! Ok, fait que ça, on a un potentiel. Ouais, potentiel. Fait qu'à date, ça serait ton préféré. Ben, collier sur deux. Ben, c'est quand même une bonne moyenne. Au moins, t'en as un. Ok, j'en ai un préféré. Ben, à date, il n'y a pas d'échec, là. Fait que ça va bien. Je l'ai payé juste 7$. T'as payé ça 30$, t'as pas plus au village. Non, je l'ai payé 7$. Ah, ok. Puis j'aime bien la qualité. Ben, c'est un Tristan, c'est sûr. Ouais, mais Tristan, c'est quoi déjà? Tristan, c'est pas l'aubainerie. Ah, bon, on saura pas c'est quoi Tristan, on saura ce que c'est. C'est un peu plus haut, là. Un peu plus. Tu payes un peu plus cher tes vêtements. En tout cas, 7$. Alors, moi, je trouve que c'est très bon. On y va pour l'année là? J'aimerais avoir une petite main d'applaudissement. Ah oui. OK, fait que prochain truc, il s'agit d'un accessoire. Un accessoire que je me suis dit, je sais pas, dans ta palette de couleurs, hein, je pense que t'en as pas de ce genre d'affaires-là, mais je te voyais avec une petite chemise clean blanche, puis avec ça autour du cou. 2,50 l'accessoire, t'es-tu prête? Oui, un accessoire, mais pour bébé des accessoires. On y va. Un foulard! Ah! Ah! Oh! Oh! Non, mais tu sais, comme tu t'attaches ça autour du cou. Ça, c'est pas madame en chien. Ben voyons, t'es une madame, maman. Je suis pas une madame, moi. Ben oui, t'es une madame. Ben oui, tu t'habilles en madame. Tu sais, pour l'automne, genre. Tu peux même te mettre dans les cheveux, genre. J'y donnerais un 3. Ah ouais? Ah ouais, tant que ça. Ben là, ça te met hors de ta zone de confort, mais justement, à un moment donné, il faut se mettre hors de notre zone de confort. OK, est-ce que ça serait dans ta zone de confort, ça, toi? Ben non. Mais bon. C'est pour toi que je magasinais? Ben c'est ça. Ben moi aussi, j'en ai des hors zones. Ah ouais? La vengeance. Oh! Check! Il est beau, là! Pour vrai, moi je le trouve super beau, là. Il y a vraiment des belles couleurs, là. Non.
Bon, fait qu'un échec. Un échec. Ok, ben ça c'est un petit basic, mais un basic que moi j'ai beaucoup, mais que toi t'as pas. Puis je me suis dit, ça t'en prend. Puis ça fait pas ma tante, ok? Mais il s'agit d'un gilet noir, mais oui. Comme... Attends, mais regarde. Ah. Tu sais l'effet gilet avec t-shirt avec un gilet en dessous, genre? Hey! Ok. T'aimes ça? Ben pas tant. Hey, c'est beau! Je porte pas zoom, oui. Ben c'est pour ça, je te mets hors de ta zone de confort. Ben je comprends. Mais quand même, on reste dans des couleurs neutres. On met ça avec des Converse, ce serait cute à mort. Avec ton foulard. Hey non, ça fait pas faire tout, là. C'est tellement d'un style à l'opposé, oui, là, ça va pas du tout, bon. Là. Bon. J'ai payé juste 5,49. Hey, je comprends. Je pensais que t'allais l'aimer, celle-là, en plus. Non, pas, tu me niaises. Non, je te jure. Mais voyons, encore leak. C'est un gilet genre de gars. Non, mais tu sais, un peu stylé. Ben, c'est ça, je pense que c'est. Mais pas stylé là-dedans. On dirait que c'est un t-shirt en dessous d'une manche longue. Non, mais c'est stylé d'écrire dans les commentaires. C'est stylé de faire des overlays. Mettre des couches par-dessus des couches par-dessus des couches. C'est okay. Stylé, man. C'est stylé. Ma mère est pas au courant de la mode. Il est à la hauteur de ton petit foulard. 3? 3 sur 10? Je l'aime pas pantoute. Ok, prochain truc, c'est un pantalon. Les pantalons, j'avoue que j'ai rushé parce que ma mère était comme pas de taille haute, pas de taille ci, pas de taille ça. Je suis comme un sacrement, là. C'est un peu compliqué. Mais ceux-là, je trouve qu'il y a un bon potentiel, mais. Ça fait pas qu'elle dit ça, c'est louche. Mais c'est un basic, mais classe. Il a coûté 11,99. Oh. Puis il vient du château. Moi, j'ai un petit penchant pour les affaires qui viennent. Château, peut-être. Il y a des chances, peut-être, ça marche. Tada! C'est la grandeur, je suis sûr que non. Ah, il est cute! Oui, c'est pas pire ça. Ah! Ah oui, patte large. Oui, patte large. Potentiellement. Puis, je trouve que, tu sais, il a l'air d'être de qualité, genre. C'est pas sûr. 9-10. Ben oui, c'est la grandeur que tu m'as dit. 9-10. Ouais, mais ça dépend des. Bon, peut-être. Mais ben oui. Mais je trouve que la qualité, elle a vraiment le fun, c'est genre. Château, c'est un bon basic, je trouve, ouais. À avoir. Bon, oui, ça, je te donnerai un et tout aussi. Yeah! Fait que ça passe. Bon, oui. Wouhou! Espérons que tu vas me faire, mais sinon, oui. On tape les mains. On tape les mains. Ok, là, on est ailleurs! On est ailleurs. Ça, c'est quelque chose que t'as vraiment pas dans ta garde-robe. Puis je me suis dit, hey, c'est ma vidéo, c'est le temps d'y en acheter. Puis moi, j'adore ce genre de. Ça, c'est vrai que moi, j'adore ce genre de pattern-là. Ça fait très automne. Mais je te vois porter ça avec un genre de col roulé. Quand Jésus. Quand tu veux. Ah, ok. Hey, là, c'est la veste à ma grand-mère, tu sais. Arrête! Elle est full belle! C'est full la mode du quadrillé. Elle est full d'une bonne qualité. Hey! Hey, yeah! Arrête! Je peux pas croire que c'est à moi. Arrête! Écris-moi dans les commentaires! Elle est fucking mais... belle! Hey, check ça, là, avec les boutons de ma tante. Elle est full belle! Mais non, elle m'attend. À moins que je la mette. Oh my god! Si j'avais. Avec une petite ça à moitié ouverte, avec un jean ouvert. Oh, genre, je vais essayer de faire de quoi que ça, mais c'est pas fort, ça note. Impossible! Je vais mettre un 5, pas un 3, mais. Ok, un 5, c'est bon. Ok. C'est mieux qu'un 3. Mais je la garderai pas. Arrête! Je la porterai pas, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, écris-moi dans les commentaires que c'est en mode. Okay, je t'applaudis pas, hein? Non, non, non. Moi, je m'applaudis, ok? Non. Moi, je m'applaudis. Es-tu prête à être déstabilisée encore à nouveau? J'ai quasiment peur. Ferme tes yeux. On y va. Prochain truc, c'est quelque chose que ça, je te vois vraiment avec. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis, ça fait très automne. Ça, je te voyais porter ça avec un petit col roulé de beige. On est parti. Mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. Ta-da! Ben, je n'aime pas tant. Je n'aime pas tant ça. Tu l'aimes pas? Pas tant. Pourquoi? Ça me ressemble pas tant. Ben voyons donc! Pas je trouve tant. Ça crie, toi! Non. Ben oui, avec un col roulé beige! Je... C'est full beau! Tu sais que les petites poches sont full belles! Ça, je trouve ça vraiment... Moi, perso, je trouve ça vraiment beau. Ça se peut que tu l'aimes. Ben non! C'est pourquoi j'ai magasiné! Je sais, mais qu'est-ce que je te dis? Non, mais attends, faut que tu fasses confiance. Peut-être qu'avec un... Peut-être que tu vas toi-même réaliser que t'aimes vraiment ça. Juste coûter 7,99. Je le comprends. La gang, ça va pas bien, là. Parce qu'il y a plein d'affaires qui arrivent que, genre, ça, je suis pas sûre. Puis ça, je pensais que c'était un sûr, tu comprends? OK, ben, prochain truc, hein, on n'a pas espoir. Tant qu'il y a des vêtements, il y a de l'espoir, OK? C'est ça que je veux dire. Ça, ça crie toi, là. Ça, sérieux, si t'aimes pas ça, là, je la comprends pas. Non, ouvre pas tes yeux tout de suite. Celle-là, c'est le premier truc que j'ai acheté. Puis à ce moment-là, je magasinais même pas pour la vidéo. Puis je me suis dit, oh, ça fait vraiment maman. Fait que je l'ai acheté pour ça. Puis si tu l'aimes pas, je la comprends pas. Elle est belle. Oui, elle est belle, mais ça, c'est madame en crime. Mais t'es madame, mais. Non, je suis plus madame, je travaille en télétravail. Mais non, elle est belle. Elle est belle, hein? Ça, un 9. Ah! Mais je suis tellement contente parce que celle-là, je l'ai vue, j'étais comme, ça crie maman, là. Non, elle est belle. Mais oui, ça crie maman, celle-là, là. Ouais, je pense que c'est. Je sais que vous la voyez pas, mais c'est une longue. Une longue comme moi. Ouais, je crie. Je vois même déjà le petit kit, là, avec Steph. Yeah! Je vais faire l'étoile. Hein? En fin de la soirée. Bon, fait que celle-là, à date, c'est ton coup de cœur. Ouais, franchement, là. Ah, mais j'ai bien fait de suivre mon intuition. Ouais. Mais ouais, celle-là, par exemple, elle m'a coûté quand même cher. Elle m'a coûté 17 $. C'est un peu cher. Vous chargez valable? Oui! Oh.
J'étais genre, ok, pas donné la petite Laura. Non, moi. Mais, mère contente. J'ai accroché dessus. Ouais, c'est ça. Ben, mère, elle a des goûts de luxe, hein. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que ça veut dire que je suis une superficielle? Ben, un peu quand même. Okay, mais là, je veux rester dans cet élan de confiance. Fait que, parce que là, j'y prends goût, là. J'y prends goût. Okay. Fait que je vais te montrer quelque chose d'autre que j'ai vraiment le feeling que tu vas aimer. Ok? Mais dans le fond, je pense que c'est ton genre de truc d'aimer les vestes longues. Ok? Fait que j'en ai une autre, ok? Mais vraiment différente. Mais... Tada! Ah, je déteste pas non plus. Oui! Ah, j'aime le vert, par exemple. Elle est belle, hein? Gilet vert en ben oui! Tu l'as même pas... Hey, on faisait des kits. Elle l'a mis où, le gilet vert? Moi, j'ai tout le kit au complet. Ma mère, elle a un petit kit, là. Ah non, oh, avec un gilet vert de même, là, pétant, là, oui. Ça va être... Puis oui, ça fait full automne. Ouais. C'est vraiment estival, là. T'sais. Je l'aime. Yeah! Puis elle a coûté 9,99. Bon, je donnais un 9 aussi. Mais ça, je me suis dit, ça, je voyais avec ça. Ouais. Elle a l'air full confort, en plus. Ouais. Ben, mais... Yeah! Hey, là, je suis de bonne humeur. Et prochain truc, ça aussi, c'est un truc que quand je l'ai vu, j'étais comme, oh mon dieu, ça crie ment. Et on est ailleurs. Ah, c'est une jupe. C'est la seule jupe que j'ai achetée de la vidéo. Mais non, accris-toi, là. Genre, okay, ça gueule, là. Ça gueule fort. C'est vrai? Non, ça va. Non, pas encore. Je suis stressée. Ben, écoutez, chante, Chris. Inspire. Ben, voyons. Wow. C'était donc ben le salut. Look at this! Ah, ben oui, c'est une jupe en jean, c'est sûr. Elle est belle. Oui. T'as plus ça comme ça. Vendu. Yo, check les poches, comment sont belles. Ouais, on dirait qu'elle est neuve. Je sais! Elle est vraiment belle, de full non, belle qualité. Nice. Je te donne... Ah, je suis pas loin du 10. Ah! Moi, j'aime ça les jupes en jean, ça me pousse. Hey, puis j'en connais un qui va être con. Hey, moi, je trouvais tellement qu'elle criait toi. Je l'ai vu, puis genre, aucune hésitation, je l'ai mis dans mon panier. J'étais comme ça, ça s'en va avec moi, là. Ah, mais je suis tellement contente. Ouais, moi aussi. Là, la vidéo a commencé de même, mais là, ça s'en va comme ça. Ouais. Hey, là, c'est fou, là, la pente montante. Mais c'est drôle que ceux qui avaient plus confiance, c'est ceux que j'aime moins. Ouais. Mais le gars. Non, non, celle-là, j'avais tellement confiance. Oui, c'est clair. Celle-là, j'étais comme ça, elle l'aime pas, je comprends pas le style à ma mère. C'est en ligne sur quelque chose que j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais. Ça va pas bien à griffe. Non, mais peut-être te mettre hors de ta zone de confort, puis je voulais te trouver quand même une petite robe. Fait que c'est une robe. C'est go? Ouais. Écrive que non, là, tu me sors pas. Écrive que non, mon ami, que là. Ah ouais? C'est un. Je porterai jamais ça. C'est un zéro? Zéro. Ben non! Hé, hey, belle, là! Je ne peux pas porter ça. Mais voyons! Voyons, c'est une chemise, c'est une robe de l'an 40, stick. C'est très laid, c'est très... C'est très laid! Oh, mais c'est mais tiens, en même temps, elle l'a dit au début hein, qu'elle t'avait pas confiance. Non, c'est pas le morceau que je me suis dit, ma mère va l'aimer. Mais je me suis dit, je pense que tu serais belle là-dedans. OK. Peut-être que tu vas te surprendre, puis comme tu l'aurais jamais essayé, mais finalement, tu vas te trouver vraiment belle, tu sais. Peut-être. OK, mais j'allais payer. Oh my God! Ça m'a pas coûté cher! 18,50! Ah, t'as acheté ça à 18,50! C'est vrai que quand je magasine au Village Valeur, je check jamais les prix. Ben, j'espère. Puis je me rends compte que j'aurais peut-être. Oui. Parce que, sérieusement, ça l'aurait influencé. Le premier, je l'aurais pas acheté. Non, mais j'avoue qu'il y a des, au Village des Valeurs, des fois, il y a des choses les prix ont augmenté, là. Fait que je pense que je vais commencer à regarder les prix. Parce que, sérieux, 18$ pour une robe qui a vraiment pas plu à ma mère, on va dire les vraies choses. Vraiment pas. Zéro. T'exagères. Au moins un. Un pour l'effort. Un pour le 18$. Cette magnifique ceinture pour compléter tes looks. Ah, ça, j'aime ça. Ben oui, magnifique, là. Ouais. Regarde-moi ça. Fais du bruit, hein? Non, mais ça, c'est une belle ceinture, là. Ouais. Ça va bien compléter tes looks. Ça devrait. Ben oui. Espérons qu'elle me fait, mais sinon... Ça sent une cigarette, c'est épouvantable. Oh, ben God! Ça a pas de bon sens! Arc, j'ai un haut de cœur! Hey! Mais voyons donc, c'est qui la fumeuse qui possédait ça? C'est sûr qu'elle s'appelait Manon, quelque chose de même, là. Elle a l'air d'une Manon, tu penses? Oui. En tout cas, elle fumait. Ah. Elle fumait, c'était très, très. Ouais, un peu turné off. Quand même, 7$ pour une ceinture, c'est quand même cher. 7$ pour une ceinture qui sent la cigarette. Ouais, mais l'odeur vient avec, faut que tu payes. Moi, je pense que c'est du exporté en plus. Hey, ça les vertes, là, les plus fortes qu'elle a. Ouais. Après moi, elle mettait des cigarettes dans les trous, genre. Au lieu d'être un rack à shooter, c'est un rack à cigarette. Oui. C'est sûr que oui. Genre, c'est tellement dommage que vous n'ayez pas l'odeur. C'est incroyable. J'ai hâte de la mettre à terre. On met ça à terre. Oui. Elle a un beau look, par exemple. Ouais. Juste l'odeur. Elle va se faire aérer. Damn. Une couple de jours. OK. Ouais, on va la mettre dehors. Faut que je la note. Non, je la note à. Prends pas en considération l'odeur. Une griffe, non, parce qu'elle baisserait. Non, parce qu'elle baisserait, elle perdrait des points. Mais j'y donnerais un. Un 9. Moi, oui, je suis assez contente. Elle est belle, hein. Si elle est vraiment belle. On est sur un mélange de quelque chose, ok? J'ai eu une idée, là, je sais pas si ça va faire ton affaire, mais écoute, j'ai une idée, ok? Dans le fond, ok, je vais t'expliquer ce qui se passe. T'es prêt? Ouais, ça, okay. Une chemise?
Ouais. Rose, en satin, elle est vraiment belle. Mm-hmm. La trouves-tu belle? Pas si pire. Pas si pire. OK. Puis par-dessus, je me suis dit qu'on allait mettre ça. Je sais pas trop. Ben oui. Hey, non, là. Maman, tu vas être hot raide, là. C'est genre une espèce de ceinture, mais qui donne un look de corset, genre. Ouais, je sais. 8,99. Elle a dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Il pourrait peut-être en regarder ça, mais c'est moyen. Moyen? Ben, c'est moins mon style. Ouais, mais c'est ça, mais faut que t'essayes de mais mettre un peu. Mais je me dis que le pire qui arriverait, c'est que je pourrais faire un oreiller, ce serait parfait pour les cheveux. C'est parce qu'il faut dormir avec un oreiller en soi, pas trop se décoiffer, fait qu'avec ça, ce serait génial. Mais c'est vrai qu'elle a un tissu que t'as envie de te mettre la face dedans. Oui, effectivement. Pas comme la ceinture. Non. Oh, excusez, ça devait aller à un clis. Puis la ceinture, pis ça, tu me donnerais combien? 3$, pas si pire. Bonjour à... Hey, j'ai fait preuve de créativité. J'aimerais qu'on me donne un petit point de créativité si t'es... Je vais te donner un 6 pour le... Un 6? Ouais, elle ne peut pas triper tant que ça. Fait que là, dernier morceau, je te réserve toute qu'une surprise. Hey, simple. On est sur le morceau qui va te sortir le plus de ta zone de confort. OK. Mais ça, on est fou. Soyons fous, OK? Vas-y. Checkez-moi ma face. Ça, c'est sûr que quand je l'ai vu, je me suis pas dit, oh mon Dieu, ça crie mal. Je me suis pas dit ça pantoute. Mais je me suis dit, hey, ça, c'est un morceau qui va te mettre hors de ta zone de confort. Puis je suis persuadée que ça va super bien t'aller. Il s'agit d'une robe, mesdames et messieurs. J'y vais. OK! Hey! Avec des manches super belles, colorées. Ah, hey, wow. Moi, je la trouve magnifique, cette robe-là. Elle va super bien t'aller, man. Hey, là, tu peux pas rester sans mots forever and ever. Faut que tu dises de quoi? Je n'ai aucun mot. Mais voilà! C'est ça qui est un mot! Urk. Tu me niaises. Non. Ah, tu la trouves laide? Vraiment. Mais voyons belle. Donc, je la trouve tellement belle. Elle est full originale. Je suis persuadée qu'elle va full mais bien t'aller. Mais tu sais que de l'originalité, ce n'est pas toujours beau. Mais attendez, là, écrivez dans les commentaires, vous, votre ressenti. Non, mais c'est parce qu'elle voit pas comme faux. Voyons mais donc, regardez, le milieu est noir et blanc, puis les manches sont colorées. Mais c'est ça qui est en fun. Dentelle. En dentelle, transparente. En dentelle. Il y a un potentiel immense. Ouais, elle l'a payé 17,80. Mais man, j'ai tellement hâte de le voir avec ça. Moi aussi, vous le voyez dans mon visage. Non, mais je suis sûre qu'elle va full bien t'aller. La gang, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires que vous trouvez ça beau. Moi, je la trouve magnifique, OK? Fait que j'ai vraiment hâte de le voir dedans. Est-ce que t'es prête à l'essayer? Pourquoi pas? Ah. Arrête! Là, c'est parce que j'ai fini avec quelque chose qui te déstabilise, mais il y a plein d'affaires que t'aimes, là. Aie confiance. J'ai confiance. OK, on s'en va essayer? On y va. Yeah! On vient de faire l'essayage, man, t'as quand même des coups de cœur, là. J'avoue. T'as jugé trop vite. Et le pire, c'est... Quoi? Les plus laides que je trouvais au début. Vous savez la face que j'ai faite sur un, là? Style une chemise. Oui! Montre-la. Oh, Vingold, c'est pas pire. Oui, elle aime full, c'est vrai qu'elle va bien. C'est pas si pire que ouais, ça. Ouais, cette chemise-là, elle avec va un gilet blanc en dessous. Ouais. Je l'aime bien. Ah! Ouais. Ok, puis c'est quoi tes autres coups de cœur, sinon? Après ça, on parlera de la jupe. Ah oui! La jupe, elle va super bien. Elle fait parfait, en plus, la grandeur, c'est génial. Elle a été créée pour toi, pour vrai. Ouais. Donc, ce petit veston-là, je l'aime bien. Oui, il t'allait bien. Oui, il m'allait bien. Bravo! Ouais. Après ça, celui-là, avec un gilet vert, oui! C'est sûr, il est très grand. Mais ça fait mais un look. Ça fait un look. Mais non, ça va full bien avec tes yeux verts. Mais j'ai le gilet de ce vert-là, ça va être effrayant. Il t'allait vraiment bien. Vraiment bien. Ah, après ça, oui. Le petit pantalon du château. Ouais, le pantalon noir. Ouais, puis il est long, je vais le couper. Ouais. Mais je le trouvais vraiment excellent. Il va super bien. Super bien. Et ce petit gilet-là aussi, en fait, c'est vrai que mieux que j'aie envie d'être chic. Le gilet transparent? Ouais, le gilet transparent. Ça va être pas bien. Il allait vraiment bien. Ouais, pour vrai. Fait que, tu sais, c'est l'endroit pour mettre hier. Oui, voilà, parce qu'hier, on est à un événement. Ouais. Fait que, est-ce que tu oserais dire que j'ai quand même réussi et relevé le défi? Tu me donnerais une note finale de combien? Je
c'est une moyenne. Je vais y aller avec un 7,5. Yeah! C'est quand bon! Quand même! Je trouve ça bon, ouais. Wouhou! Ça sent les 15%, t'as jamais eu ça école. Hey, je voulais pas dire ça. Non, non, même. Elle est excellente. Ah oui, j'étais super bonne, j'avais toujours de 90. C'est faux. Je l'ai fait toutes mes cours. Je suis pas un exemple. Faites pas ça, les gens, à la maison. Non! Faites pas ça! Jamais! Fait que t'es-tu content? Ouais. Youpi! Ouais, madame. Je suis contente qu'il y ait des choses que t'aimes puis que tu repartes avec des trucs du Village des Valeurs. Tu vas avoir des articles dans ta garde-robe du Village des Valeurs. Waouh! Yeah! Waouh! Quel bonheur! Fait que écrivez dans les commentaires c'est lequel votre morceau préféré. Mm-hmm. Puis s'il y a un morceau que vous avez fait comme Earl, ça va vraiment pas bien. Ouais. Dites-y pas! Parce que. Surtout pas si je garde! Ouais, c'est ça! Je garde pas, ça me dérangera pas, mais ouais. Je garde. Mais moi, je dois avouer que la dernière robe. Ben, en fait, les deux robes, je trouvais vraiment qu'ils t'allaient bien. Mais moi, je les aimais pas. Non, pas du tout. Mais moi, écrivez dans les commentaires si vous l'avez aimé, mais moi, je trouvais qu'il était vraiment belle sur toi. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. On vous aime, puis j'espère que vous avez aimé écouter la vidéo et regarder les trouvailles que j'ai faites pour ma mère. Mm-hmm. Bye! Bye bye!